enfants. Tu veux les grands frères? Tu vas où? Oh. Merde! Excusez-moi, ma chérie, c'est que de l'intérieur, elle n'arrive pas bien te contempler. Il a fallu que je sorte pour venir contempler ça moi-même de face. Et je confirme, tu as tout ce qu'il faut là où il faut. Hein, tiens. Didier, c'est quoi ton problème? Tu as fini? Tu es normal. Il y a quelque chose qui manque dans ta tête. Donc, tu as laissé ta boutique là-bas dedans pour venir me servir ici dehors. Jusqu'à porter la chaise. Maman, c'était plus fort que moi. J'ai fait comment? Il fallait que je sois facile. Je veux le transfert. Le transfert quoi? Orange. Hein? 500. C'est quoi ma chérie? Tu es belle, tu es magnifique, tu es jolie, tu as tout ce qu'il faut là où il faut. Sincèrement, je ne sais pas. Est-ce que c'est possible de. Est-ce que c'est possible que tu m'accordes un rendez-vous? Toi et moi. Non. Pourquoi? Parce que c'est impossible. J'ai dit non. Valide mon transfert, je pars. Comment qui ça? Je vais faire de toi une déesse, une reine. Je vais te donner de la valeur. Je vais faire de toi la reine de ce secteur. Personne ne va t'égaler. Je vais te faire les transferts Orange et Nextel. Je vais te faire même les transferts d'amour. Tu sais que je suis très champion. Pour une déesse comme toi, une lumière comme toi, c'est prêt à tout. Les transferts, non, tu veux, je vais te donner un rapport. Et c'est pour 500, pour 2000, pour 3000. Je veux m'augmenter maintenant, j'ai pas encore fait. Donne-moi une chance. Toi, le petit gars, si tu me joues avec mes nez, il fallait que mon transfert là-bas, je pars. Si je prends le téléphone là, je vais même mettre même 5000. C'est pas un problème, ça. Donne-moi ça. Tu penses que je ne pourrais pas faire ça? Il n'y a pas de souci, mon téléphone c'est ton téléphone, mon callbox c'est ta part. Elle m'a touché. Oh, mets ton code là-bas. Ça c'est même qui ça? Je l'ai envoyé. S'il te plaît, réfléchis. Et que ce soit la dernière fois, pion. C'est même qui ça? Hey! La génération tête baissée est représentée avec la présidente Brenda. Tiens, vous n'êtes pas fatigué de tenir vos téléphones comme ça en longueur de journée. Vous ne pouvez pas vous reposer. Ça s'ennuie. Vous vous ennuyez. On va leur faire quoi? Seulement ta paix posée sur la table que tu nous parles. Vous ne comprenez pas aujourd'hui. On vient de manger. Laetitia, j'ai faim. Tu as quoi? On a faim. Tu peux te manger la banane. La banane, ça te rate. C'est bien. Dis-moi, on a faim. Ah. Après, tu vas dire à maman que tu prends soin de lui. Quelle histoire, ça. Ne partez pas préparer, je suis votre ménager. Si moi, je prépare, je vais mettre le sel dedans, non. Tu vas comprendre. Allô? Allô? Salut ma chérie. C'est qui? Oui, c'est le callboxer de tout à l'heure. C'est quoi? Quel callboxer? Celui chez qui tu as fait le transfert tout à l'heure. Ah, ce n'est pas la sorcellerie ça. Mon ami, tu es malade, tu es gâté. Qui? Doucement, attends. Tu m'appelles en vertu de quoi? Tu m'appelles pour quoi? Hey, écoute-moi très bien. C'est la dernière fois que tu m'appelles. Tu me comprends, non? Ouais, attends, je... Tu m'appelles pourquoi? J'ai dit, on se connaît. Ça, ce n'est pas la sorcellerie, ça. Ne m'appelle plus jamais. Tu me comprends, non? Je te bloque même d'abord. Non, me bloquer. Attends, allô? Pion. Allô? Ce n'est pas la sorcellerie, ça. J'ai fait le transfert chez le callboxer qui est en haut là-bas. Le mince gars qui est au carrefour. C'est lui qui fait aussi le mange pas là. Lui, un client comme ça là, il me raconte comment wow, il m'aime. Wow, je suis trop belle. Si je peux lui accorder un rendez-vous, anani, ananana.
Je lui ai dit que je ne suis pas intéressée. Mais quand il se regarde, il me regarde. Franchement, il ne me donne pas. Tu vas te faire un transfert. Tu vas te faire un dépôt. Tu n'as pas la voix. Allô? Oui, ma chérie, s'il te plaît, écoute, tu sais que je t'aime. Je suis fou de toi. Regarde, mes cheveux sont tendus, rien que le fait de savoir que je suis au téléphone avec toi. Je t'ai demandé de ne plus m'appeler. Ne m'appelle plus. On ne se connaît pas. Tu m'appelles pourquoi? Je vais te faire les transferts chaque jour que Dieu a créé. C'est pas un problème. Il y a la mayonnaise ici, là. Il y a tout. Il y a l'huile d'arachide, même pour que tu puisses cuisiner à la maison avec. Hein? Ne m'appelle plus. Ça, c'est même qui ça? Hé! Hey. Ouais, ouais, calme-toi. Allô? C'est sérieux. Toi, les plus au matin, tu fais les selfies. Yeah. Toi, tu es différente d'elle. On t'a souri. Allô? Ah? J'aime une fille difficile comme ça. C'est le genre de fille là-même qu'il me faut. J'aime une fille dure de caractère comme ça. Là. Alors, le simple fait d'insister, elle va accepter. C'est un coup. Elle m'a bloqué, vrai, vrai. Elle fait ça comment? Seigneur. Ah, ma chante, je suis non. Ma petite fille, on chante comme ça. Elle va me donner quoi? Aïe. Il va te faire le transfert. Tu vas se lever chaque soir. Ouais. Elle m'ignore. Un callboxer a plusieurs numéros. Donc, il a plusieurs chances. Tu me donnes un peu, non? Allô? Ah! Ouais, ma chérie, ça ne sert à rien ce que tu veux faire là. Mon frère, tu me veux quoi? C'est à ton frère. On se connaît où? On avait rendez-vous sur terre. Mon ami, ne m'appelle plus. Je t'ai dit que je ne suis pas intéressée. D'abord, même tu n'es pas blessé. Désolée de te dire ça comme ça. Ouais. J'ai dit non. Si tu me bloques, je vais toujours t'appeler. J'ai au moins 500 numéros. Je suis un callboxer, tu as oublié. Ah bon, hein? Ok. Appelle-moi avec 100 numéros. Je vais bloquer les 100. Ça va. Bloque encore. Je vais bloquer, non. Allô? 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 Que j'ai des fils, ça, non? Mais hein, mon crédit, t'appelles, tu raccroches. Putain. J'ai plusieurs numéros. Elle va me sentir. Pourquoi pas parler ma coiffeuse comme ça, mon banque French? Ha! Je parie que c'est encore lui qui m'appelle. Hein? Décroche. Allô? C'est le colbosse. Ok, prends ton appel là. Allô? Elle est à côté de moi. Tu veux qu'il ne m'appelle plus jamais? Il n'appelle plus ma grande soeur. Tu comprends ou non? Moi, c'est même qui ça? Non, elle ne t'aime pas. Elle t'aime pas. Moi, elle veut le transfert, mon beau. Arracher ta perruque. Vraiment, mon Dieu. Au lieu de m'aider à trouver une solution, vous vous moquez de moi. Elle a quand même besoin. Peut-être tu veux l'homme de ta vie. Chacun a un problème. Je suis en train de réfléchir pendant que vous vous moquez de moi. C'est mieux qu'on descende là-bas, on le rôde bien. Allez, là-bas chez lui, non. On les suit bien. Je ne suis pas prête à me ridiculiser comme ça. Et tu vas faire comment? Au lieu de m'aider à trouver une solution, vous êtes là à vous moquer de moi. Ce n'est pas une solution qu'on a trouvée là. Tu sais passer. J'ai une idée. L'idée du siècle. Attendez.
On va faire. Voilà. Chacun écrit sa part. Toi, tu écris chambre à lui. Toi, tu écris studio modèle à lui. Appartement à lui. Moi, il écrit tout ce qui me passe par la tête. Tu as pensé aux appartements? On va mettre son numéro, tous ces numéros là-dessus. Comme ça, les gens vont l'appeler de partout. Ah, je comprends. Écrivez en gros caractère. On va bien voir ça. Papa, au bois, mon ango, dengue, ni bois. Ça c'est quoi ça? Ce que votre site cherche d'une fille pour une nuit. En plus, c'est payé. Tu payes 500. Ya, Letty. C'est quelqu'un ça. Aïe. C'est parce que c'est un pas l'une d'entre vous que c'est arrivé. Ça quand vous vous produisez comme ça. Merci à la mère. Non, chacun avec ses poids. Tu es chaud. C'est bon. C'est bon, on part. Cherche une fille 500 pour passer la nuit là, tu l'insultes d'abord bien même. Toi tu dis que tu veux une maison à lui. Toi tu dis que tu as vu la plaque de la ménagère et tout, tu vois. Que tu veux le travail. Prends le numéro. Allô? Donc c'est toi qui passes ton temps à insulter la femme. Pardon? Si tu mets les affiches partout, recherche d'une femme pour une nuit 500, tu es malade, tu es toqué dans ta tête. Moi? Tu ne sais pas de quoi je parle. Oh, s'il vous plaît, c'est la dernière fois, arrêtez-moi ça. Imbécile, cuion. Hé, baisse le ton, c'est quoi? Tu m'appelles, tu m'insultes. Flocan, ce n'est pas ton numéro, je suis en train d'appeler qui Jésus? Fichez le camp aussi, dis donc, ça c'est qui ça même? Vous êtes obligé d'appeler alors? Ta grand-mère, mon floca imbécile, parlons, va rapidement enlever les polérés que tu as mis là-bas. Jusqu'à tu mets le numéro de recherche d'une fille. Une fille 500 là. Tu es malade. Ce n'est pas toi. Attends un peu, j'ai pris le numéro dans mes rêves, je t'ai appelé. Mon floca chien. Imbécile. Comment un mouton comme ça là? Ah, parlons fou, mouton. Il a coupé.
Attends. Il va voir sa grand-mère. Attends. Allô. Bonsoir. J'ai vu l'affiche là, maison à louer. Oui, je cherche une maison à louer, s'il vous plaît. Comment ça? Je dis que j'ai vu l'affiche, votre numéro était affiché sur ça. Ok. Je veux la maison. C'est même qui ça même non? Tu as mis ça pour quoi? Tu as commis les laits là-bas, c'est même ce qu'il est laid. Hein? Moi là? Tu m'as pas encore vu dire que je suis laid? Les deux filles toi-même, Njunju, elle me fait là-bas, n'importe quoi. Tu peux pas embrouiller les gens, hein. Tu mets maison maintenant, tu dis que c'est pas toi qui a mis le numéro, que c'est qui, c'est le diable. Imbécile. Ha, maison à louer comment? J'ai mis la plaque, je loue la maison. Je charge l'immobilier. Fonce ça comment? Qu'est-ce que ça va me donner mon numéro? Ok, c'est mon tour. Ça, c'est quelle histoire ça? C'est pas la sorcellerie qui m'arrive comme ça. Elle fait ça comment? L'autre m'appelle d'abord que j'ai une fille à 500 en nuit. C'est que c'est même une prostituée qui cherche un client, il sait même pas. Après l'autre m'appelle encore que maison à louer. Je loue les maisons, je charge l'immobilier. C'est pas le vampirisme en plein jour. Et qui sort? Il y a une moins inconnue là. Allô? Tu cherches quoi? Hein? J'ai vu l'affiche là, recherche d'une ménagère. Comment ça? Maman, il t'a dit que j'employais. Moi, je cherche le travail, donne aussi ma part, non? Ah, oh, ça, c'est pas la sorcellerie. Mais j'ai besoin du travail là, monsieur. Tu as pris l'information là-haut? Tu avais mon numéro dessus. Dites quoi comme ça? Moi, j'ai pris le numéro là. Vous dites quoi comme ça? Qui a écrit sur le fantôme? Il ne faut donc plus faire des blagues comme ça aux gens inquiets. Mais moi, j'avais même le sourire que non, j'ai trouvé un travail. Pardon, bouge, j'avais. Hey, pardon, excusez-moi. Excusez-moi. Il va lire. Ah, lance la peine sur ton deuxième numéro. Tu me fais quelque chose. Ça, c'est quelle histoire ça? J'ai l'impression que les gens veulent jouer avec mes nerfs. Je sais pas, ce sont les femmes qui m'appellent depuis. Hein. C'est pas la sorcellerie. Tout parce que je suis mignon. Faites ça comment? Je sais que tu m'aimes, viens me dire, je me sortir des histoires comme ça. C'est encore qui? Allô? Bonsoir, monsieur. Bonjour. Voilà, je suis commissaire de police. Et je viens de recevoir une plainte contre vous. Qu'est-ce que j'ai fait? On vous accuse d'avoir affiché partout dans la ville que vous recherchez des filles avec qui vous allez passer une nuit pour une somme de 500 francs. Qui? Qui? Moi? Oui, vous. Non. Non, chef, c'est pas moi, chef, je vous assure, ce n'est pas moi. Écoutez-moi très bien, monsieur. Vous allez finir votre vie en prison. Ouais, chef. Chef, non, chef, je suis innocent, chef, c'est pas moi. Chef. D'accord. Allez retirer ces affiches. Yeah, chef, pardon, je vais parler en prison, chef, pardon, chef. De toutes les façons, la police est déjà en route pour vous embarquer. Yeah! Hey, chef, on viendra me chercher. Je pardon, je vois mes enfants grandir. Vous allez finir votre vie en prison. La fille, c'est déjà grave, c'est quoi? Je vais éteindre mes téléphones. Il n'y a même jamais de call box ici là. Il va lire sur le calendrier. Attendez, puis j'appelle mon moi, Michel. Appelle un peu. Tu dis que tu es une cuisinière. Ok. Ça ne passe plus. Ça ne passe plus. Ça ne passe plus. Appelle le deuxième numéro.
Le gars est en train de faire la lecture de l'heure. Ça n'est pas fini. Ah non, la lecture de l'heure. J'espère qu'il a cassé ses puces. Tant. Même seulement de me dire bonjour, c'est pas ça pour la langue. Et si. C'est pas ça, une vague. Ouais.